Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les points de base au crochet. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à bien tenir votre crochet. Première chose, le crochet. J'ai un crochet 3,5, mais ça n'a pas d'importance pour la suite de la vidéo. Donc pour tenir mon crochet, c'est très simple. Je le cale sur mes trois derniers doigts. Le doigt à ce niveau-là pour bien le tenir et le pouce pour le caler. Je suis prête à crocheter. Je vous précise que c'est la façon dont je tiens mon crochet. C'est une façon de faire, mais il y en a d'autres. Trouvez celle avec laquelle vous êtes le plus confortable. Mais globalement, vous le tenez comme un stylo. Ensuite, s'agissant du fil, je vais faire un nœud coulant et une chaînette de mailles en l'air pour vous montrer. Vous avez bien évidemment les vidéos concernées si vous voulez apprendre à le faire. Donc là, je tiens mon crochet et je vais tenir mon fil. Concernant le fil, l'idée est que vous trouviez une solution qui soit confortable pour vous pour maintenir une certaine tension entre votre main et votre crochet. C'est comme ça que vous allez contrôler la taille et la tension de votre ouvrage. Ne vous inquiétez pas si vous êtes débutant, vous n'êtes pas obligé de savoir ce que c'est une tension et comment la contrôler dès le début. Ce sera le coup de main et les gestes qui viendront avec l'expérience. Quand j'ai commencé, je ne savais pas du tout ce qu'était la tension et on comprend au fur et à mesure. Ça ne vous empêchera pas de travailler. Donc au niveau du fil, il est glissé sous la main, je retourne, il est calé comme ça. Et je suis prête à crocheter. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les bases du crochet. Bonne journée!